Bonjour. Donc, j'aurais envie de développer un thème qui est autour du désir, de la sexualité et du couple. Parce que très souvent, j'entends mes patients, soit en thérapie de couple, soit même des patients seuls, hein, célibataires, qui se questionnent et qui ont des difficultés autour de l'usure, du désir, le manque de désir, le manque de flamme, que ce soit amoureux ou sexuel même. Et donc, voilà, j'avais envie d'aborder ça, déjà pour pointer le fait que, bah oui, fréquemment, effectivement, beaucoup d'entre nous se plaignent de cette chute du désir, et que, bah, forcément, un couple où il y a moins de libido, moins de désir, moins d'attrait, bah, s'installe dans une forme de routine, de sécurité, alors peut-être de stabilité, certes, qui est peut-être agréable, hein, mais quelque part. Bah, au bout d'un moment, cette usure, cette lassitude, les embarque dans des chemins où ça peut mener presque à la fracture ou à la séparation, ou des complications de problèmes dans le couple qui font que les partenaires ont plus qu'une envie, c'est d'aller explorer d'autres choses ailleurs, que ce soit pas que des personnes, hein, ça peut être d'autres activités, mais en tout cas presque un chemin qui mène plus à la séparation à cause de cette chute du désir, cette lassitude qui s'installe. Voilà. Donc beaucoup pensent ça, me lancent cet argument-là, et donc ça questionne. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ce thème avec vous sur cette question fréquente. Donc déjà, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que certains couples arrivent à entretenir la flamme. Alors, il y a certainement des stratégies qui sont plus fonctionnelles que d'autres et qui font que certains arrivent à entretenir la flamme ou à découvrir des stratégies que j'ai eu le temps d'explorer, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est la voie tantrique, qui sont des stratégies innovantes et souvent non connues de la majorité, hein, d'entre nous, pour explorer d'autres manières et faire revivre cette flamme qui normalement est naturelle. Le désir est peut-être volatile et fragile, mais en même temps, on peut vraiment ramener à sa source cette question du désir qui normalement est naturellement tout le temps là. Donc, comment est-ce qu'on peut justement trouver des stratégies qui empêchent cette usure et cette lassitude et cette chute du désir? Eh bien, tout simplement, ce que j'ai pu constater, c'est que ce désir que je disais si volatile peut être densifié, hein, à partir du moment où on laisse tomber les mémoires et les enjeux psychologiques qui sont en général très présents dans la relation de couple. Je m'explique. On ne peut pas s'empêcher dans une relation d'être dans sa personnalité et d'être en regard de la personnalité de l'autre. C'est-à-dire je me connais, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça, etc. Et je te connais depuis un certain temps, donc je sais que toi aussi tu fonctionnes comme ci, tu fonctionnes comme ça. Donc tous ces je sais que tu es comme ci, comme ça, toutes ces croyances, toutes ces affirmations autour de je suis ceci, tu es cela, je sais que ça tu aimes, je sais que ça tu n'aimes pas, par exemple dans la sexualité, tu aimes ça, tu n'aimes pas ça, donc ça je peux, ça je peux pas, vont enfermer la personne dans un cadre bien déterminé. Et quand on définit la personne, on ne peut plus la voir autrement que ce comment on la définit. Hein. Autre chose aussi très fréquent, tous les enjeux psychologiques. Il y en a d'autres, hein, les contentieux et toutes les mémoires. J'ai eu par exemple une personne avec qui j'ai vécu qui, voilà, qui soit m'a accablée de reproches et donc je me suis sentie toute ratatinée, toute rétrécie, ou alors qui, dans la sexualité, pouvait me prendre comme un objet par exemple. Et donc brutalisée, ben, je me suis refermée et ces mémoires-là viennent s'introduire aussi dans la fluidité du désir. Et puis ces mémoires vont bah oui, facilement entraver un désir qui est renouvelé sans cesse. Voilà. Donc ces enjeux psychologiques, les contentieux aussi, les reproches qu'on se fait, ce train-train, etc. Je sais que tu es comme ça. Les enjeux psychologiques, les mémoires du corps,
sont des éléments qui font chuter le désir bien souvent. Donc les stratégies à visiter sont des stratégies qui vont être là pour déconstruire, pour revenir à la simplicité, à la naturalité du désir et pour sortir et évacuer tous ces enjeux psychologiques et tous ces enjeux de pouvoir, voilà, et toutes ces insécurités et tous ces enjeux émotionnels qui vont parasiter la relation. Pourquoi ? Parce que deux corps, un homme, une femme, en général c'est plutôt comme ça que ça se passe, un homme, une femme, deux corps qui ont envie de s'unir, parce qu'il y a de l'amour, ça circule. Normalement, l'énergie de vie circule entre deux corps dès qu'il y a de l'amour. C'est parce que c'est fait pour ça. En fait, on est fait pour ça, tout simplement. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Normalement, c'est tout simple. C'est tellement simple que nous, les êtres humains, on oublie cette simplicité de base et on s'encombre de toutes ces mémoires et tous ces fonctionnements psychologiques, ces pensées, ces croyances, ces peurs, ces incertitudes, ces je sais que, tout ça parasite. Donc, ce qu'on va chercher à faire, et notamment à travers la voie tantrique, qui est une voie que j'ai explorée et que je voudrais aussi vous faire partager, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup appris et beaucoup compris de choses à travers ça, expérimenté autre chose, découvrir une nouvelle forme de sexualité aussi. Dans la voie tantrique, eh ben, on déconstruit tout ça, on amène à revenir à ce dépouillement, à cette simplicité, à cette naturalité, et l'énergie peut circuler de manière à ce qu'on ait un œil neuf et frais, hein, cet esprit de curiosité, comme si on découvre l'autre toujours pour la première fois, et qu'il n'y a plus ces enjeux psychologiques. Et donc, ce regard de fraîcheur, de nouveauté, permet d'inventer, de refaire circuler et de revenir à cet attrait sexuel et cet attrait amoureux sans cesse, en fait. C'est comme si l'autre n'était jamais connu, quoi. On n'a jamais connu, et on ne le connaît pas. Donc, il a un attrait particulier, puisque on oublie tout ce qu'on sait sur lui. Voilà, donc revenir à cette simplicité, je trouve que la voie tantrique le permet, et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs, et franchement c'est magnifique. Et puis ça mène, ça oublie aussi cette question de personnalité, et ça mène à cette relation avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, et qui peut nous emporter, hein, justement quand on dépasse mon petit moi qui fait l'amour avec ce petit moi en face, cette personne que je connais, moi que je me connais. Donc on peut aller dans quelque chose de plus large, hein, de plus transcendant, hein, et de beaucoup plus vaste, hein, et d'être relié à quelque chose aussi de beaucoup plus haut, hein, qui est, voilà, je suis par exemple, si moi je suis une femme, je pourrais être dans, je me rallie à tout le féminin, hein, et à toutes les femmes avant moi, et à faire l'amour avec cette énergie du féminin, qui va se rallier à l'énergie du masculin qu'un grand M, par exemple aussi. Mais ça veut dire que je ne suis plus dans les enjeux psychologiques. À ce moment-là, je ne suis plus dans ces histoires de lutte de pouvoir, de même la question voilà, de la lassitude, de la routine, tout ça, c'est oublié. Voilà. Et donc j'ai très envie, hein, de vous partager ce que j'ai découvert et ce qui me sert, et de vous transmettre ça. Et je co-animerai un stage à Paris le 10 et 11 mars, sur justement la question de revivre, d'entretenir la flamme, la question de la perte du désir et de relancer la flamme, de l'entretenir toujours et encore dans la vie amoureuse et sexuelle, à travers aussi cette voie tantrique, hein. Et donc je co-anime ce stage le 10 et le 11 mars, et franchement vous êtes les bienvenus pour tous ceux qui ont envie. Donc c'est à Paris, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc pour tous ceux qui ont envie de découvrir un autre chemin de la sexualité, pour tous ceux qui ont des blocages de désir ou des blocages sur lesquels, ouais, ça bute, il n'y a plus cette fluidité de départ, cet attrait de départ. Voilà, c'est intéressant de venir découvrir autre chose, de débloquer ce qui est noué entre vous deux, et aussi de découvrir un autre chemin, une autre voie d'exploration de la sexualité qui est aussi très douce, hein. Il y a aussi quelque chose de très doux, de très
voilà, de très fluide à découvrir, quelque chose qui fait aussi monter dans le cœur et monter vraiment dans la compréhension, l'empathie et un amour plus vaste et plus large entre les partenaires. Donc, j'espère voilà, vous voir. Les informations sont sur mon site et aussi sur le site du Navatantra, dont je vais vous laisser à la fin de la vidéo l'adresse. Voilà. Donc 10 et 11 mars à Paris, et puis, je donnerai aussi certainement des conférences plus élargies sur ce thème de l'usure et du couple et du désir. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt.